Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour son amour envers son peuple, envers nous, ses enfants bien-aimés, ses enfants adoptifs, par Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Béni soit notre Père qui est aux cieux, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Je rends grâce à Dieu pour son amour envers sa création par Jésus, son Fils unique. Notre Père qui est aux cieux, lui qui nous aime, lui bien-aimé qui nous chérit, lui qui prend soin de ses enfants, lui qui prend soin de ses fils et de ses filles, lui qui aime, lui qui désire que tu prospères à tous égards, lui qui désire ton bien-être et que tu sois en bonne santé et que tu te portes bien, lui qui prend soin de ton âme, lui qui prend soin de toi, il est ton Dieu, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur, ton pourvoyeur, lui qui n'oublie personne et qui n'abandonne personne. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu des bontés d'amour, il reste toujours fidèle. Fidèle dans tes épreuves. Fidèle dans ton désert. Lorsque tu ne comprends plus rien, lorsque tu as l'impression que tout tourne à rond autour de toi, lorsque tu as l'impression qu'il t'a abandonné, il t'a délaissé ou il est loin de toi, mais laisse-moi te dire ce soir que le Seigneur est toujours fidèle. Le Seigneur est toujours près de toi. Il est toujours près de ses enfants. Il est toujours près de son peuple. Bien que son peuple ait amené à traverser les épreuves, bien que son fils ou sa fille, son serviteur, ait appelé, nous sommes appelés à traverser les épreuves, à passer le désert. Un chemin, n'est-ce pas, un chemin qui est destiné à tous les enfants de Dieu. Un chemin qui est destiné à tous les enfants, n'est-ce pas, des promesses. Et le Seigneur est toujours là et présent. Lui qui n'oublie personne. Si nous voyons le livre de Jérémie, si nous nous rendons, nous allons vers le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 29. N'est-ce pas? Jérémie chapitre 29, au verset 11. Le Seigneur a dit à son peuple qui s'est trouvé de l'autre côté, en captivité, c'est-à-dire à Babylone. Il leur a dit cette parole au travers de son serviteur Jérémie le prophète en disant: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà, bien-aimé, ce que le Seigneur dit à son peuple en captivité. Bien que la situation de son peuple, bien que la situation de ses enfants était une situation critique, c'est-à-dire qu'ils étaient en captivité dans une terre étrangère, loin de leur patrie, qui est Israël, mais dans tout cela, Dieu n'avait pas oublié son peuple. La situation pouvait laisser penser que Dieu les avait oubliés ou délaissés. Mais laisse-moi te dire ce soir que le Seigneur n'oublie jamais son peuple. Le Dieu, c'était le Dieu d'alliance, n'est-ce pas? Bien que, humainement parlant, c'était une épreuve difficile. Mais le Seigneur de gloire avait des projets de paix et non de malheur. Le Seigneur de gloire avait des projets de paix et non de malheur, dont l'homme ne pouvait voir à l'œil nu. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, avait tout préparé. Le Seigneur, dans sa bonté, n'est-ce pas, il avait tout préparé en avance. Parce que lui est l'alpha et lui est oméga. N'est-ce pas? Il est alpha et oméga. Il est fidèle. Et le Seigneur dit à son peuple qui est en captivité. Le Seigneur passe le message à son serviteur, à son serviteur le prophète, Jérémie le prophète, en disant: dis-leur, n'est-ce pas? Dis à mes serviteurs, dis à mon peuple qui est en captivité, qui est en train de s'inquiéter dans leur désert, dans leurs épreuves, loin de leur patrie, loin de la terre promise,
qui est Israël. Dis-leur ceci, car je reconnais, n'est-ce pas, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, la cause de la déportation d'Israël en Babylone était le péché, la désobéissance à l'alliance de Dieu, la désobéissance au commandement que l'Éternel leur avait donné au travers de son serviteur Moïse. Suite, bien-aimés, à leur désobéissance, suite à la désobéissance des Israélites, n'est-ce pas, le Seigneur, dans sa souveraineté, avait envoyé les dépérissements, n'est-ce pas, à Israël. Et certains ont péri par l'épée et certains ont été emmenés en captivité dans une terre étrangère à cause du péché. Le Seigneur avait puni sa nation. Le Seigneur avait puni son peuple à cause de leur péché. Mais puisque Dieu est amour, puisque Yahweh est souverain, n'est-ce pas? Puisque Dieu est miséricordieux, il a tout prévu en avance. Parce que le Dieu que nous prions, notre Seigneur, le Dieu de la Bible, il est un Dieu de l'alliance. Il n'oublie point son alliance. Il n'oublie point ses promesses à son serviteur Abraham, Isaac et Jacob. C'est le Dieu d'alliance. Et le Seigneur, dans sa souveraineté, avait préparé en avance, n'est-ce pas? Et nous pouvons voir au travers de cette lettre qui a été faite par Jérémie, n'est-ce pas, aux captifs de Babylone, en leur disant, le Seigneur leur dira que, voilà, je reconnais, n'est-ce pas, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, Yahweh l'Éternel avait des projets pour son peuple qui était en captivité. Yahweh avait des projets, de paix pour son peuple qui était en captivité. Et cette captivité devait durer 70 ans, selon le temps fixé par l'Éternel, selon la souveraineté de Yahweh, le Dieu d'Israël. Cette captivité devait durer 70 ans. Donc cela signifie qu'avant 70 ans, il n'y aura pas de délivrance. Avant 70 ans, on ne peut rien faire. N'est-ce pas? Avant les 70 ans, on ne pouvait rien faire pour ce peuple. Et l'Éternel bien-aimé avait des projets de paix pour eux. Il avait des projets de paix et non de malheur. N'est-ce pas? Mais cette épreuve, cette captivité devait durer 70 ans. Les Israélites étaient appelés, n'est-ce pas, à rester dans ce tourment pendant 70 ans. Et la délivrance ne se ferait qu'après les 70 ans. La délivrance ne serait envisageable qu'après les 70 ans, mais pas après les 70 ans et non avant. Et bien aimé, voici ce qui s'est passé au milieu de ce peuple. Il y avait des prophètes qui s'élevaient, des songeurs, qui s'élevaient pour dire, voici, en prophétisant, en leur promettant la liberté. Et ces prophètes qui prophétisaient, ce n'était pas de la part de Yahweh. Ce n'était pas l'Éternel qui les envoyait, mais ils s'élevaient d'eux-mêmes. Ils faisaient passer pour les envoyés de l'Éternel. C'était des prophètes de Dieu, mais ces prophètes prophétisaient charnellement, par leurs émotions, en disant des choses que l'Éternel ne leur avait point dit. En faisant croire à ce peuple que la délivrance était proche. Et c'est pourquoi Yahweh, bien-aimé, dans sa souveraineté, s'est révélé à son serviteur Jérémie. Lorsque Yahweh a entendu, n'est-ce pas, ces blasphèmes de la part de ce prophète, Yahweh s'est révélé à son serviteur, le prophète, à Jérémie le prophète, en lui disant, va dire à ce peuple, dis-leur. Et Jérémie avait écrit une lettre pour destiner aux captifs de Babylone, pour leur dire, voici ce que dit l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel avait dit? Ce peuple s'est empressé. Ce peuple était pressé de sortir de ces déserts. Ce peuple était pressé, bien-aimé, de quitter le désert. Ce peuple était, n'est-ce pas, avait hâte de retrouver la terre promise. Mais cela n'était pas possible. Pourquoi? Parce que il y a un temps fixé pour tout.
Dans le plan de Dieu, ce peuple devait rester là-bas en captivité pendant 70 ans. Ça, c'est dans le plan caché de Dieu. Dans le plan caché de Dieu, dans ses conseils, les Israélites ou les Juifs devaient rester en captivité dans une terre étrangère pendant 70 ans. Et l'Éternel, pour le rassurer, voici, bien-aimés, comment est-ce que l'Éternel leur avait dit au travers de la lettre que Jérémie avait envoyée aux captifs de Babylone. Au verset 4, il est dit, Jérémie chapitre 29, verset 4, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. À tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez le songe. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce qu'a été conçue la lettre, n'est-ce pas? Cette lettre qui vient de la part de Yahweh, de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour son peuple qui s'inquiétait dans leurs épreuves. Son peuple s'inquiétait, n'est-ce pas, dans leurs tourments, là-bas, dans une terre étrangère, en Babylone. Le Seigneur leur a fait comprendre, voici c'est ma volonté, restez là-bas car cela est ma volonté. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas perturbés là où vous êtes, mais bâtissez, mariez vos enfants, construisez, instruisez-vous, multipliez-vous. Pourquoi ce peuple devait se multiplier? Pourquoi ce peuple devait se multiplier? Ils avaient des inquiétudes, ils avaient hâte de retourner sur leur terre promise. Le peuple de Dieu s'inquiétait, les Israélites ou les Juifs s'inquiétaient là-bas. Ils étaient inquiets de leur situation, en captivité, sur une terre étrangère. Ils avaient hâte, ils étaient pressés de rentrer chez eux. Mais l'Éternel leur dira, ce n'est pas le moment. Restez là où vous êtes. Bâtissez, construisez, grandissez, multipliez-vous. Apprenez là-bas. Apprenez là-bas. Vous voyez? Mais il y avait parmi le peuple certains prophètes, qu'on peut appeler des faux prophètes, qui prophétisaient de mensonges. Qui prophétisaient de mensonges. C'était leur propre pensée. En faisant croire au peuple que la délivrance était proche. En faisant croire au peuple, n'est-ce pas, que la délivrance était si proche. Alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, le peuple de Dieu devait guérir. Telle était la volonté de Dieu. Le peuple devait, n'est-ce pas, les 70 ans devaient s'accomplir pour ce peuple en captivité. Donc la délivrance ne serait pas opérée avant les 70 ans. Il fallait d'abord que cette captivité totalise les 70 ans, afin que, n'est-ce pas, la délivrance ou la liberté leur soit accordée. Parce qu'ils étaient captifs. Les Juifs étaient captifs sur une terre étrangère.
Le Seigneur est fidèle, Dieu est fidèle. Dieu est bon. Il est fidèle. Et le Seigneur l'a rassuré. Le Seigneur s'est révélé à son serviteur, qui est le prophète Jérémie. Dis-leur de ne pas s'inquiéter. Dis-leur d'enlever les inquiétudes. Parce que je sais, je connais les projets que j'ai formés pour vous. N'est-ce pas? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc Yahweh avait des projets pour son peuple. Bien que ce peuple était en captivité, bien que ce peuple était sur une terre étrangère, le Dieu d'Israël avait des projets de paix pour ce peuple. Le Dieu d'Israël avait des projets de paix et non des projets de malheur. Yahweh voulait leur donner un avenir meilleur. Yahweh voulait purifier son peuple. Il voulait nettoyer le peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple était devenu corrompu par le péché. La terre sainte avait subi la corruption, était envahie par le péché. Le péché avait envahi toute une nation. Et à cause, bien aimé, de leur péché, Yahweh les a livrés à leurs ennemis. Yahweh les a livrés sur une terre étrangère. Et ils ont été en captivité pendant 70 ans. 70 ans, bien-aimés, dans le Seigneur. 70 ans de captivité. 70 ans de captivité. À cause de leur péché. Mais bien qu'ils étaient dans le désert, bien qu'ils traversaient des moments difficiles, l'Éternel Yahweh ne les avait point oubliés. Yahweh ne les avait point délaissés. Quel que soit le moment que tu peux traverser, quel que soit le désert auquel tu te trouves, sache que le Seigneur ne t'a point oublié. Sache que Dieu ne t'a point abandonné, car il y a un temps pour tout. Il arrive, bien-aimé, dans la vie d'un homme, de passer certaines épreuves, certains déserts. Cela est naturel. Ce sont les principes spirituels. N'est-ce pas? Ça fait partie des principes spirituels. Ça fait partie de la marche d'un homme, de la vie terrestre. Car le désert nous purifie. Le désert purifie l'homme. Dans le désert, tu portes ta croix. Dans le désert, le péché est expié. Dans le désert, tu payes le prix. Mais quelle est l'attitude à tenir? Il faut rester calme. Il faut rester patient. De ne pas s'inquiéter. De ne pas avoir les inquiétudes. Car le Seigneur lui-même prendra soin de toi. L'Éternel lui-même prendra soin de toi. Ne te décourage pas. Ne baisse pas le bras. Mais avance. Avance simplement. Ne te décourage pas. Avance. Car le Seigneur ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Il est à tes côtés. Il entend ta voix. Il entend tes cris. Il entend tes pleurs. Il voit tes pleurs. Et il est là présent pour essuyer tes larmes. Il est là à tes côtés pour essuyer tes larmes. Il est fidèle. Il est merveilleux. Il est bon. Il est présent. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il n'oublie pas ses serviteurs. Il n'oublie point ses serviteurs, mais il reste fidèle. Ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles, ce n'est pas parce que tu passes un désert que tu vas dire que Dieu t'a abandonné. Loin de là. Mais laisse-moi te dire ce soir, si tu passes un désert, ce désert est très important pour ton âme. Si tu traverses un désert, une des épreuves, ces épreuves sont très importantes pour toi. Quelle doit être ton attitude? Quelle doit être ton attitude? Comment est-ce que tu dois te comporter dans ces déserts? Comment tu dois te comporter dans le brisement?
Tu dois rester calme. Tu dois être patient. Ne cherche pas à te débattre dans ces déserts. Ne cherche pas à tisser d'autres alliances. Ne cherche pas à prendre certains engagements qui vont encore te tirer vers le bas. Mais sois patient. Sois patient. Et l'Éternel Dieu du Tout-Puissant, lui-même le Seigneur de gloire, au temps convenable, au temps fixé, il te sortira de là. Il te sortira de là. Car il y a un temps pour tout. Il y a un temps de jouissance. Il y a un temps de pleurs. N'est-ce pas? Il y a un temps pour tout. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et la lumière apparaîtra toujours, bien-aimé. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Reste calme, reste tranquille. Appuie-toi sur sa parole. Ne panique pas. Ne maudis pas ton Dieu. Ne t'éloigne pas de son alliance. Ne maudis pas ton Dieu. Ne t'éloigne pas de son alliance. Ne t'éloigne pas de ses commandements. Mais applique-le. Marche selon sa parole. Reste fidèle et loyal à son service. Et le Seigneur te bénira. Le Seigneur te relèvera au temps convenable. Il essuiera tes larmes. Il confondra tes ennemis. Il va te justifier et relever ta tête. Car il est fidèle. Parce qu'il est Dieu. Le ciel et la terre lui appartiennent. Il est le maître du lendemain. Et c'est lui qui te connaît. Il te connaît mieux que ceux qui t'entourent. Il te connaît mieux que les hommes qui te critiquent. Il te connaît mieux que ceux, bien-aimés, qui t'ont méprisé. Ou ceux qui disent de méchanceté contre toi. Le Seigneur te connaît mieux que quiconque, mieux que ton père, mieux que ta mère. Il est ton papa, il est ton père. Aime-le, serre-le de tout ton cœur et de ton âme. Garde sa parole et ses commandements, et tu verras sa gloire. Et tu verras sa gloire. Et tu verras sa gloire. Il est fidèle. Merci Père. Nous te rendons toute la gloire. Tu es fidèle. Toi qui n'abandonnes point, Seigneur. Toi qui ne délaisses pas, mon Dieu. Mais tu restes fidèle, Seigneur, à ceux qui te sont fidèles. Tu te souviens de ton alliance. Tu te souviens de ton alliance comme tu t'es souvenu, Seigneur, de ton alliance envers ton serviteur David. Tu t'es souvenu de ton alliance envers ton serviteur Abraham. Tu t'es souvenu de ton alliance envers ton serviteur Israël. Tu es le Dieu compatissant, rempli de bonté et de fidélité. La Bible déclare, l'Éternel est long à la colère et riche en bonté et en fidélité. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant le Seigneur est loin de nous, le péché. Il est bon et fidèle. Son nom est grand au-dessus de tout nom. Merci Seigneur Jésus. Merci le Rédempteur d'Israël. Merci le Roi des Rois. Merci le Seigneur des Seigneurs. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, le règne pour des siècles et des siècles dans le nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Que la gloire nous revienne.